organiser la célébration d'un sombre anniversaire, celui de la disparition des 13 adolescents survenus l'année dernière à Castelnaudary. Souvenez-vous de la sentière du lycéen mystérieusement volatilisé, qui n'ont toujours pas refait surface. Les familles des victimes cherchent toujours des réponses à cette disparition inquiétante. Actuellement, l'enquête est toujours en cours et une cellule de soutien a été ouverte. Pour la suite des actualités... Cédric, prends ton temps. Tu me sers un café. Merci pour le café. Mais la prochaine fois, pense à fermer la clé. Quoi? J'ai les yeux rouges. Normal, je sors de la douche. Bon alors, qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, je me suis acheté une nouvelle carte graphique sur mon nouveau jouet. T'es venu jusqu'ici pour me dire ça? Attends, depuis le temps que je t'en parle, une image de meilleure qualité, t'imagines pas à quel point c'est une priorité absolue pour tout geek qui se respecte. Ah si, j'imagine très bien la scène, toi derrière ton écran d'ordinateur, en train de jouer à des jeux vidéo, regarder Netflix, ou pire encore. T'as signé quoi là? Au cas où j'aurais mesuré ton immense déplacé. D'habitude c'est toi qui fais cette technique démoniaque. Pas besoin de ça pour ce soir, je vois ma nom tout à l'heure. Fais pas cette tête, on se voit entre potes, on paye tous les deux. C'est ça, d'autres, c'est un rencard, c'est vrai. Si tu veux. Allez, je file. On se voit demain au lycée. Voilà, c'est ça. À demain. Le Royaume-Uni est l'un des principaux acteurs du commerce international, avec un commerce extérieur représentant 55,5% de son PIB en 2020. La même année, le pays a principalement exporté des voitures, des médicaments, des vêtements, du matériel de télécommunication et des machines de bureau. Cependant, les importations et les exportations ont chuté de manière drastique en raison de la crise économique qui a suivi la pandémie de Covid-19, couplée au Brexit. Tony, arrête de te balancer, sinon je te jure, je te vire. C'est bon, j'arrête. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Le 1er mai 2021, l'accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est entré en vigueur, accordant au Royaume-Uni zéro quota, zéro tarif pour ses exportations vers l'Union européenne. Que je meurs si on est obligé d'avoir 5 heures de cours par semaine avec ce prof. Je crois qu'on n'aura pas le choix. Et oh ? Quoi ? Je sais pas, t'as l'air pensif. C'est pas ça, c'est juste que tu repenses à l'année dernière. Tu te souviens quand on n'avait pas cours et qu'on faisait des visios ? Je me souviens. Même qu'on allait jusque dans nos toilettes. Ça pouvait durer longtemps. Tout ça pour que mes parents ne nous entendent pas. Tu
Tu vois, ça s'est pas passé ici, mais... Mais c'est tout comme. Avec ma mère, on angoissait tellement pendant cette période-là, tu vois. Surtout elle, tu vois. Heureusement qu'on était là les uns pour les autres. En parlant des uns et des autres, Guillaume vient chez moi ce soir. Vous mettez le couvert ? Je sais pas. Disons qu'il m'a manqué pendant les vacances et je crois que moi aussi. Et je lui ai proposé de passer chez moi ce soir. Décidément, toi et Guillaume, Cédric et Manon. J'en étais sûre pour ces deux-là. Ouais. Il est chelou ce mec. T'inquiète pas, il ne tiendra pas l'année. Louise avec Guillaume. Manon avec Cédric. Ça va aller les gars. Bordel. Ça va? Ça va et toi? En forme ou quoi? Bien, bien. Bon, t'as fait quoi aujourd'hui? Tranquille le lycée, puis je me suis dit que j'allais venir te voir. Ça faisait longtemps un peu, non? Ouais, grave. Dis-moi, tu connais la fille là-bas? Non, pas lui. Mais tu as tu je te montrerai les roses. Calme-toi, range-moi ça, s'il te plaît. Promis, je te touche pas. Je veux pas que tu saches où j'habite. Je comprends. Je t'accompagne et je te laisse au coin de la rue, ça te va? Ça t'arrive souvent d'accompagner les inconnus? T'es pas une inconnue? On est dans la même place. Début à tout. Ça va aller? Ok. Attention à toi. Attendez, vous nous faites venir ici pour nous faire croire que Guillaume a disparu la nuit dernière sans laisser trace. Et que selon votre expertise à deux balles, les disparitions recommencent. Cette année, dans notre classe. C'est possible, oui. Non, c'est pas possible. Vous nous faites peur pour rien. Vous n'avez pas de preuves en plus. C'est à la police de faire leur travail. Faut vraiment vous faire interner. Il avait rendez-vous chez Lise. Elle ne l'a pas vu, ses parents non plus. Ni aucun établissement hospitalier. Il y a de quoi se poser des questions. Mais nous, on est là. On n'a pas tous disparu. Dex n'a pas tort.
Ce que vous dites est assez grave. Ok, ok. Dennis, ça n'a pas été facile. Mais quoi, ça se passe ici, cette année? Les gars, y'a quoi? Une chance sur un million? Attendez. Un de vos potes n'est pas rentré chez lui hier soir. Et c'est aucun message, ni indice, et personne n'est inquiet. Ça fait pas 24 heures qu'il a disparu. Faut pas s'emballer comme ça. Et s'il a préféré se barrer? Vous êtes posé cette question? C'est pas son genre. Qu'est-ce que t'en sais? Tu connais mieux Guise? Allez, on se casse. Mais restez là. Tu viens. Putain, mais restez là. Cela fait maintenant 48 heures que Guillaume Lefaux a disparu. On apprend aujourd'hui la disparition de l'étudiant Dex Madison étant dans la même classe. Une enquête a été ouverte pour l'y retrouver, mais pour le moment, aucune preuve ni aucun indice n'aide la gendarmerie à déterminer s'il s'agit d'une fuite ou d'un enlèvement. Un étudiant de Carcassonne nous indique qu'il est difficile de ne pas mettre en corrélation les disparitions de l'année précédente avec celle-ci. Une cellule de crise aura lieu ce matin au lycée Jules Fille de Carcassonne, établissement en question. Le directeur, M. Prevot, qui était avec nous tout à l'heure, temporise. On ne peut nullement affirmer que la disparition de nos deux étudiants est un quelconque lien avec les événements tragiques survenus l'année dernière. Ils restent persuadés qu'ils sont vivants, ne parlons pas d'enlèvement, sans avoir de plus amples informations. Tout va bien? On attend les nouvelles. Mes parents ont appelé le lycée. Ils ont signalé que je ne serai pas là ni demain ni les autres jours. Ça fait déjà deux disparitions, Maëva. Ouais, je sais, c'est dingue. J'arrive pas à croire que ça arrive dans notre classe. Tu veux pas passer à la maison? J'ai envie de te savoir près de moi. Je sais pas, viens avec Cédric ou prends un taxi. Mais je t'en supplie, ne reste pas seule. Oui, promis. Maëva, mais qu'est-ce que tu fais ici? Faut que je te parle, c'est urgent. Et comment tu sais où j'ai une question, je veux que tu sois sincère. Je t'écoute. Tu faisais quoi le soir où Dex a disparu? Et je peux savoir en quoi ça t'intéresse? Et le soir où Diam a disparu, tu savais qu'il devait se rendre chez Liz? T'as tout entendu notre conversation? Mais t'es complètement dingue, dégage de chez moi! Maëva, c'est pas ce que tu crois! Regarde! Regarde! Calme-toi. Je suis vraiment désolée, je t'ai pris pour... Quelqu'un que je ne suis pas, oui. Alors c'est... Mon frère, disparu l'année dernière. Je suis venu ici dans le but de comprendre. Ma famille est partie dans le nord après ce qui s'est passé. J'ignorais ton histoire. Je suis vraiment désolée. Mais si ça recommence dans notre classe, ça veut dire que... Mais tes disparitions ont peut-être un lien direct avec ma famille ou avec moi. Je dois en avoir le cœur net. Et merde. Qu'est-ce qui se passe? Je suis à la bourre, je dois retrouver une amie. Je suis vraiment désolée. Attends, je t'accompagne. Quoi? Avec ce qui se passe en ce moment, pas question de te laisser y aller seul. Je t'amène et je te ramène. C'est le pute du lycée, ça? Ouais, c'est un prof qui me l'a filé. Quel prof? Bah, monsieur Gaspard. Ah, mais tu le vois toujours? C'est un peu... Oh! T'en as mis un temps? J'étais pas seule. T'es avec qui? Avec Brian. Pardon? Mais tu le trouvais pas chelou ce mec? Tu le connais bien? Non, mais il est discret, c'est tout. Il est pas social. Permets d'en douter. Il est arrivé dans notre classe cette année, et franchement, c'est vraiment la merde de la classe. Avec tous les événements qui se passent maintenant, c'est notre tour là.
Tu peux arrêter d'être aussi pessimiste, Cédric, s'il te plaît. Je le sens pas, c'est tout. Il est froid, il a le regard d'un tueur, puis ça colle parfaitement avec les événements. Tu peux mieux faire, mais c'est vrai, non? Il peut mieux faire, non? Je pense qu'on va rentrer. Tu me raccompagnes? Allez, viens. Bon, restez tranquille, les filles. Les flics feront leur travail. On se voit sur les réseaux. Ah, vous êtes là, les filles. Ah, Maëva, heureuse de te voir. Tout va bien? Oui, merci, Nicole. Bon, tu restes manger, dormir même, peut-être. Non, matin, on va me ramener. Avec tout ce qui se passe. Non, mais vous en faites pas. Désolée, je t'appelle en rentrant. T'es sûre? Oui. T'inquiète pas. Ok. J'ai pas oublié de réveiller. Tu as bien dormi? J'ai dormi un peu, oui. Comment tu te sens? Je me prends la réalité en pleine face. Mon trac, je... Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, Eva, il y en a eu un autre cette nuit. Tony. Putain, il a pas pu m'avoir, donc il en a chopé un autre. Écoute, Maëva, tu dois tenir le coup. Et moi, il faut que je sache si les disparitions ont quelconque lien avec moi. Je vais partir pendant quelques jours. Je refuse que notre étudiant paye le prix. Je pense pas que ce soit ta faute. Tu t'en vas maintenant? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Mes parents sont maintenant, ils savent même pas que je suis dans la classe où ont lieu les disparitions. Il faut que je sache si ma présence dans votre classe en est la seule cause. Je dois savoir. Tu peux savoir où tu vas? Tu dois penser que j'abandonne. Ce n'est pas le cas. S'il te plaît, attends-moi. Pas de prise de risque inutile. Je te contacterai. Il cherchait clairement quelque chose. Si c'est pas un banal cambriolage, il sait qui tu es. Il te cherche. On se casse ici.
Viens chez moi, tu seras plus en sécurité. Ce serait peut-être temps, non? Peut-être temps pour quoi? Partir. Je peux pas partir comme ça. Cette ville, mes amis, j'y tiens. Et tu le sais très bien. Mais la situation échappe à tout le monde. C'est le bon moment pour partir. Le temps flic de trouver qui c'est. Fais-le pour toi, pour aller mieux. Aie confiance en moi. Tu penses réellement que rester ici enfermé à double tour est la meilleure option, c'est ça? Peut-être, oui. Alors désolé, mais je ne suis pas de cet avis. Tu fais quoi, là? Je range mes affaires. T'es un lâche! Répète! T'es un putain de lâche! Je te pousse à partir pour que tu survives et toi tu me traites de lâche! Qui lâche le cul de ses amis en pensant que c'est sa seule raison de vivre? Qui est putain de taré au point de se mettre en danger? Qui a failli y passer? C'est quoi ton projet, Maeva? Comment si c'est tous les deux? Ton désespoir est en train de te bouffer à l'intérieur! Je t'en simplement une raison de vivre! Tu sais pas ce qui je suis! Et j'ai envie pour moi! Tu sais pas ce que j'ai traversé! Et toi non plus! Je ne souhaite à personne ne connaître l'enfer que j'ai vécu avec la peur d'un frère! Ce que je reste avec toi, c'est uniquement Boubouche, un truc que ta vie a formé. Je ne suis pas comme eux, trouve-toi quelqu'un d'autre. T'as tout faux! T'as tout faux! Tu regardes quoi? Rien de spécial, ça passe le temps. Je suis désolé d'avoir dit que t'étais taré. Et que tu le chies que à tes amis. Mais moi, on dépassait mes pensées. Je t'ai bien dit que t'étais qu'un lâche. Tu le penses? À ton avis. Alors nous sommes deux idiots. Ça c'est toi qui l'as dit. J'ai besoin de savoir pourquoi tu m'as embrassé. J'étais en colère. C'est tout. Je pense pas que ce soit une raison suffisante. Faudra t'en contenter. T'as été maladroite. Et toi, t'as pas été maladroite de te laisser faire? Non, j'ai pas été maladroite. Pourquoi tu restes planté là? Laisse-moi saisir ce moment. Je ne veux pas l'oublier. Allez, on y va. Tu touilles ou quoi? Vas-y, vas-y. Alors, voilà, tu rajoutes un peu de farine. Ok, tu me dis ça va. Allez, vas-y, tout doucement. Et... Oh. Hop, et un peu pour la cuisinière. On révisera ensemble alors du coup. Si tu veux. Le prochain cours. Le prochain cours. Au prochain cours, on prend le prochain contrôle, on fait ouais, ensemble. Ça. Ça marche. On fait ça. Ok. Allez, parfait. Tu restes avec moi ce soir. Tu pars si tu veux. Alors, tu en penses quoi? Je sais pas. On a assez perdu de temps. On doit se protéger avant tout, il faut qu'on parte d'ici. T'abandonnes personne en faisant ça. D'accord, on part. T'es prête? J'arrive.
Allô? Maëva. Comme ça on veut partir? On veut abandonner ses amis? Si tu savais ce qu'ils vont endurer si tu disparais. Leurs vies sont entre tes mains. Sors, et ils mourront. Maëva, regarde-moi! Sois vite. C'est pas possible, trop. J'ai trouvé l'appartement pour trouver l'objet. Sinon, ça peut être parti. Écoute-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu penses que ce sont... Maëva! On est où là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, ça fait un moment qu'on est là, je sais même plus si. S'il fait jour ou nuit, on sait même pas quel jour on est. Il y a Dex à côté, il est en train d'agoniser, il n'y a pas à manger, on n'a plus à boire. J'ai l'impression qu'on va crever ici. J'ai pas envie de crever ici. Question. Si vous étiez ensemble, pourquoi il n'est pas avec toi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est lui qui tient les ficelles, c'est certain. T'es sûr de toi, là? Il est arrivé cette année,
On le connaît très peu, ce mec. Il est parti sur un faux kidnapping et maintenant il est pas avec nous. J'ai eu le kidnappeur au téléphone. Brian était devant moi. On a trouvé un micro chez moi. On a été surveillés depuis le début. Puis après, il y a eu la camionnette blanche et on s'est retrouvés là. Alors, tu crois que c'est les flics qui ont fait le coup? Probablement, oui. Et merde, quelle bosse! Ah. Attends, je vais chercher le logo, c'est lui. Attends. Désolé, j'arrive. Une seconde de plus. On est sorti. Faut finir comme maintenant, mais réfléchis un peu. Reste là. Regardez là-haut. On nous surveille. Qu'il vous soyez allé ouvert vos mondes. Arrête. Tu vas l'énerver. On a qu'à rester ici. Et mourir de faim et de soif, c'est ça que tu veux? Faut qu'on reste calme et qu'on trouve une solution. Il faut surtout déjouer les plans qui nous attendent, ok? Arrête! Il faut qu'on y arrive ensemble! Ok, on va tous descendre les uns après les autres en se tenant la main, c'est bon? Ok. C'est là, allez, viens. Il est là. Ça va? Je passe en premier. Doucement, c'est lui qui est blessé. Guillaume, ça va ou pas? Ça va, allez. C'est quoi ce portail? C'est quoi ça? Bienvenue. Vous êtes arrivé à un nouveau jeu. La règle est simple. C'est vivre ou mourir. Je vous laisse 15 secondes pour désigner qui vous couvre. Vous devez tous courir. Ceux qui retournent à l'intérieur mourront. Ceux qui partiront avant le coup d'envoi mourront. Et ceux qui se cachent mourront. 10. 9. Il ne veut pas nous avoir. 5. Attends les gars, c'est que pour sa gueule. 3. 2. 1. Calme-toi, on va s'en sortir, calme-toi. On peut pas rester là. On va s'en sortir. Viens, allez, viens. Marianne, ça va? Oui, ça va, t'inquiète pas. C'était quoi les coups de feu dehors? Il reste des gens. Il y a plein, tu crois? Tu vas comprendre, Maïva. Tu vas tout comprendre. Maman? Mais t'es pas morte? T'es tombée dans ta tête, Maëva. Puis c'est pas possible, ça peut pas être toi, mais... Mais maman, t'as pété toute la glace! Ferme ta gueule! Ferme ta grande gueule! Ou tu verras que ce qu'a subi Brian à côté, ce sera rien. Manon, c'est bon! C'est à mon tour, maintenant. Cédric, mais... aide-nous! Alors, comment tu trouves notre petit jeu? Je sais, ça laisse sans voix. Écoute, l'année dernière, c'était un échauffement.
Réussi, je dois dire. Complètement taré. Tellement que j'ai fait durer le plaisir. Je me souviendrai toujours de son frère. Max était le dernier. Il aurait pu s'en sortir, mais j'ai tiré. Sans réfléchir. J'aurais tellement aimé partager ça avec toi. Mais j'ai préféré en parler à Manon. Pour l'apaiser. Lui dire que toute cette histoire venait de moi. Que mes actes étaient mûrement réfléchis. On a alors reprogrammé la même chose cette année. Dès qu'on a su, grâce à mes talents d'informatique, que Brian, le fameux frère de Max, posait ses affaires dans notre classe. Le destin était magique. On a mis 2 mois à te préparer, à vous stocker sur les réseaux. Surtout ces derniers jours, pour ne pas vous perdre de vue. Oui, et chez toi, j'ai posé un micro à ton insu. Malheureusement, j'ai perdu la trace de Brian. Alors je suis allé chez lui, chercher des indices. Au final, je résume douter que vous étiez ensemble. On a pu s'entraider, dépasser nos limites. Et puis, tu m'as appris à devenir plus forte. C'est courageuse. Et elle me servait d'une arme aussi. Un cadeau laissé par mon père militaire. Cet endroit était le lieu où il m'amenait quand j'étais plus jeune. J'en ai rien à foutre de tes histoires de famille! Alors, tu vas mourir comme les autres. Dégage! Je ne dirai pas 2 fois! Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Putain, mais tu comprends pas? Tu comptais pour moi, Maïva! Tu as toujours été importante pour moi! Et puis quand j'ai parlé à Manon, elle m'a comprise! Elle au moins, elle était là! T'es une pourriture! T'es une personne! Je pense pas ce que tu dis! Ce jour-là, nous nous sommes enfuis, Brian et moi. On a survécu, mais pas nos amis. Pas Liz. Et je ne pouvais pas le supporter. J'en faisais des cauchemars, des crises qui ont duré 2 semaines. Heureusement, Brian était à mes côtés. Nous avons été interrogés par toutes sortes de personnes et de médias. Mais nous avons refusé les interviews. Je voulais juste faire mon deuil. Sans repenser à ce drame qui me poursuivra toute ma vie. La balle que Brian s'est prise a été retirée. Il a souffert aussi de brûlures et de coupures.
Quand j'y pense, c'est horrible. Depuis, je joue à l'infirmière. Et on se soutient moralement et psychologiquement. Aujourd'hui, on quitte la ville. Nous partons vers le nord de la France pour se reconstruire un avenir. Ici, nous avons trop de souvenirs. Le souvenir d'un jeu, d'une chasse, de morts tragiques. Et tout cela à cause d'un ami qui n'en était pas un. À cause de l'épervier.